Et on va avoir un très très bon spectacle entre les deux équipes. Et ce sont les Moscovites qui démarrent cette explication devant les tricolores des Dauphineurs. Que sûrement Merveille Kikassa pourrait tirer, si c'est pas Merveille Kikassa, ça pourrait peut-être être le pied gauche. Et pour Matimbi, mais là c'est vraiment Kikassa qui va s'en charger. On y voit cette faute. Dilongan Kaporien, le capitaine. Je tout à l'heure, c'est vraiment lui le maestro de cette équipe de V-Club. Celui qui gère les temps, celui qui gère le coup de pied arrêté. Celui qui déplace le jeu à gauche et à droite. Et il a l'occasion peut-être de nous prouver qu'il est également un bon tireur de coup franc. C'est Kikoma qui s'élance le ballon de Kikoma. C'était Kikoma. Qui n'est pas du tout cadré. Attention avec cette incursion. Il tire. Voilà, oh c'est tir. Empêché par le portier Jackson Lunanga. Ah, il a eu le temps de le voir venir. Ah, c'est Eli Pandu. Il a eu le temps de le voir venir Jackson Lunanga. Mais comment d'abord il a fait Eli Pandu pour s'en sortir, parce qu'il était vraiment assaillé par plus de 5 joueurs de Dauphin Noir. Et il a réussi à dégager cette frappe fantastique du pied gauche. Pressing. Allez. L'attaquant, attention avec cette récupération, la passe en retrait. Au-dessus de la barre transversale. Il a joué à l'instinct. Il sait que quand on est dans cette zone du terrain, il faudrait jouer ses ballons dans le point de pénalty. Mais il n'a pas vu, juste à côté de lui, il y avait Etekam. Et c'est donc la mi-temps ici au stade des Martyrs. 0 but partout entre l'association sportive Vita Club et l'association sportive Dauphinois de Goma. Nous sommes de retour sur le stade des Martyrs pour le dernier virage de ce match entre Vita Club et Dauphinois de Goma. Et c'est reparti pour cette explication. 0 but partout entre les deux formations. On espère dans cette seconde période, les deux formations vont tenter de marquer un but avec cette incursion intéressante de Vita Club. Directement à l'ouverture du score. L'ouverture du score de Vita Club dès l'entame de cette seconde période. Vita Club qui ouvre la marque grâce à cette incursion intelligente d'Elimpadou.